Salut, 6h27, j'ouvre mes volets. Je suis avec mon téléphone pour ça que la qualité. Oh, quoi que ça va, le brouillard est bien mis en avant. J'ai bien envie ce matin de me faire les muffins, c'est que j'avais bien aimé. Je les coupe en deux avec du beurre et puis je les fais toaster forcément dans le grille-pain. Toi, tu vas être mon ami aujourd'hui. Je vous ai pas pris de face encore. Bah bonjour, bonjour, bonjour. Hier j'ai fait n'importe quoi. Je regardais 10% la série, là, enfin la saison 4, tout en me mettant du. Comment ça s'appelle ? Produit sur les mains, à base de lavande. Jack, descend. Je vais le tenir à boire. Et je prends le tube et je l'appuie tellement fort qu'un énorme bout, vraiment, vient se mettre sur ma frange directement. Putain. C'est pour ça que là ce matin, allez, pourtant je l'ai rincé à l'eau, mais. Ça fait tout bizarre, tout gras. Et en plus, j'ai voulu rincer parce que je me suis dit, il y a de l'huile essentielle, de lavande. Imagine, avec la couleur ou quoi, ça vire. On va éviter. Est-ce que cette anecdote du matin était passionnante? On peut la noter sur 10, éventuellement. Je te préviens, si papa, il te fout encore. Dépêche-toi. J'aime pas voir le présentoir diminuer aussi vite. Ça me rappelle, il y a 6 mois, quand on galérait un peu dans les supermarchés. Et à un moment, je n'avais plus de café. L'horreur. C'est ma rings. 7h17. Je vais commencer par répondre à mes mails. Comment ? Je suis pas en avance. T'es pas en retard, mais t'es pas en avance. Ce qu'il faut retenir des mails de ce matin, intéressant. Nous avons Shein qui souhaite poursuivre la collab avec moi, donc j'ai envie de te dire super. Une box de thé gourmandise qui me propose de la recevoir. Également, ma commande qui va pas tarder. Ma commande de produits pour cosmétiques. Ça, c'est bien aussi. Et là, je vais faire mon montage. Bon, alors, il est 15h, me voilà. Je me suis levée tôt, j'ai fait plein de trucs. Bon, déjà, j'ai eu un appel pendant une heure et demie professionnelle, déjà ça, ok. Le montage du vlog, Eric est rentré, on a mangé, on a papoté, me voilà. Je suis un peu explosée, j'avoue que 6h, ça pique, mais surtout, je vais vous donner un indice. Rappelez-vous, hier, j'avais la migraine. Qui dit migraine, souvent, dit mes règles. Pour la 4e ou 5e fois du mois, je ne sais plus, mais bon, c'est génial. Je suis ravie, ça va m'aider à aller mieux, ça, je le sens. Petits yeux. Bref, je vais faire Vinted, les 4, enfin, c'est même pas 4 paquets, c'est 2 paquets, parce qu'il y a un lot de 3, il y a 2 paquets à faire, vu que c'est demain, mardi, que les relais ouvrent. Comme ça, ça sera prêt. Alors, ça, legging tout seul. Et ce lot, je vais mettre ça dans ça et dans... Il est où, en fait? Ah oui, il est incroyable avec le papier craft. Voilà, mes 2 paquets sont enveloppés. J'ai mis mon portable pour cacher les adresses. Bon, il n'y a plus qu'à, on sera demain. Au fait, concernant ma sauce hollandaise, il y en a une d'entre vous qui m'a suggéré... Attendez, ça va m'arrêter, elle se casse la tronche. De faire une sauce plus healthy qui se marie bien avec. Et je peux vous dire, je vais la tester, ça a l'air trop bon. Avocat. Jus de citron et gingembre frais. Alors là, nickel, et t'écrase tout. J'avoue que ça doit être pas mal du tout. Donc ça, je note quelque part. Tu t'arrêtes, chérie, t'as déjà eu ton goûter. Ma barrette se pète. Toutes les barrettes, c'est de la merde. Ah, il veut jouer. Elle serait pas un peu agacée, ta mère? Je l'ai entendue. Hein? Bon, allez, je vais quand même jouer avec toi. Et au fait, je pense à ça. Vous vous souvenez des petits bijoux analysés que j'ai reçus? Je vous ai présenté il y a quoi? Il y a quelques jours de ça. Pour notamment le Black Friday. Mais le Black Friday aux États-Unis et tout ça, c'est aujourd'hui, c'est à partir d'aujourd'hui en fait. Donc, je vous remets quand même le lien pour que vous puissiez voir ce qu'ils proposent, la collection. Je vous remonte vite fait quand même les 3 bijoux, moi, que j'ai choisi. Alors moi, j'avais choisi ce premier bracelet. On est vraiment sur du bijou délicat. Hein. Très très fin, c'est adorable. J'avais donc choisi cette paire de boucles d'oreilles, regardez, avec une incrustation en strass. Ça épouse super bien le lobe. Et enfin, ça c'est le petit cœur de ma maman, donc, bah, je vais lui offrir. C'est vrai que le maillage, c'est exactement ce qu'elle aime. C'est vraiment du bijou raffiné. Ah bah du coup, je l'ai délaissé. Tu veux plus jouer? C'est fini. Ok. Bon, je sais que c'est pas vraiment l'heure pour manger ça, on est plus proche du goûter. Mais j'ai très envie, je vous dis en ce moment, de petites olives comme ça, des noyautés vertes. C'est ça ou des Kit Kat Balls? Je vais essayer de me rattraper sur l'humeur demain. Hein? Je suis désolée. En même temps, c'est du vlog. Voilà. Voilà. Bon. Là, je vais pas vous montrer parce qu'en fait, je vais travailler sur le DIY. Je
préfère garder la surprise. On se retrouve plus tard. Je viens de faire un truc tellement satisfaisant, donc machine. Et j'ai lavé tous mes pinceaux de make-up, blender et compagnie, ça c'est bien. Et aussi, j'ai fait le tri dans les futurs fringues vintage. Par contre, je pense pas, ouais, je pense que je vais faire les visuels et tout demain ou après-demain. De toute façon, c'est un petit peu au ralenti là. On est le lendemain. J'ai préféré stopper parce que mon humeur était égale, voire s'est dégradée. Donc j'ai dit non, je ne vais pas leur imposer ça. Déjà, j'ai déroché. C'est-à-dire que j'ai regardé toutes les pistes. Je me suis dit, oh, tu ressens que la fille, elle est en bad, elle est pas bien. Mais voilà, je tiens à dire, bon, je m'excuse pour ceux que ça peut, et je peux comprendre, hein, quand tu vas pour te divertir, c'est pas pour voir quelqu'un de mauvaise humeur ou quoi, ou caisse, ou en souffrance, mais, je tiens à dire, et je le rappelle, je le dirai toujours, toujours sur mes vidéos, si j'ai décidé de faire du vlog, c'est avant tout pour traduire d'une vérité, pour montrer le quotidien. Bien évidemment, tu vas pas te plaindre H24, ou tu vas pas, bien sûr, mais il y a des moments dans la vie, il y a des moments dans ta journée où t'es pas au top. J'estime que lorsque tu fais des vidéos face cam, tu te dois évidemment, moi-même je le fais quand tu présentes des choses, d'être souriante, d'être bien, parce que tu axes vraiment sur quelque chose de précis. Mais le vlog, c'est avant tout toi, ton quotidien, ce qui t'entoure, des choses que tu vas présenter, bref, vous avez compris le délire. Ça fait partie du vlog. Très honnêtement, j'ai pas avancé plus que ça hier sur le DIY. J'ai commencé des choses et je finissais pas. Vous voyez, c'est un peu comme dans mon état. Je commençais des choses, je les finissais pas pour autant. Donc dans ces cas-là, tu arrêtes tout. J'ai plié, je vous ai dit, le vlog, on a arrêté. Aujourd'hui, par contre, déjà j'ai pas reçu ce que je voulais. Le colis, c'est pas grave, je pense que ce sera demain. Je pensais juste après vous montrer en exclusivité les nouvelles pièces que j'allais mettre sur le Vinted. Je vous les montre donc en vidéo, je sais pas, je les mettrai peut-être demain ou après-demain. Je trouve ça sympa de vous montrer les prix. Il arrête pas de me faire, vous le voyez ou pas, des petits coups de tête. Parce qu'il aimerait bien manger un petit peu. Et rien à voir. Mais YouTube, c'est aussi un partage. J'ai envie de féliciter une collègue youtubeuse, Jenny, de la chaîne Jenny Créatif. Je vous montre d'ailleurs, vous allez bien voir. Voilà. Qui vient d'avoir son petit garçon. Donc bah, je te félicite, mets-toi bien. Je sais qu'elle a une... J'ai suivi sa grossesse et pour le coup, c'est très 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 rare, mais elle a vécu une grossesse, laisse tomber. Laisse tomber la pauvre quoi. Tout ça pour vous dire que je l'embrasse et je vous montre les petites fringues, ok? Tu te calmes, poutinette? Pardon? Tu parles? Vous l'entendez, ronronner? Alors, les pièces que je fais rentrer dans le Vinted, nous avons ce manteau qui est beaucoup trop grand pour moi. Voilà, c'est une forme assez classique et un petit peu évasée. Nous avons ce modèle-ci de chez Zara. C'est Zara, donc c'est une taille 36. Le col a un léger liseré. Nous avons ce petit pull Naf Naf. Il est très intéressant à ce niveau-là. Il a une ouverture dans le dos et du coup, bah, ça laisse apparaître le petit haut que tu mets en dessous, soit près du corps, soit un autre pull très léger. Nous avons ce haut de chez Morgan, une petite manchette courte. Là, c'est plutôt resserré quand même. Il y a de l'élastane dedans. C'est l'ancienne marque, ça, je crois. Les petites manches sont semi, on va dire, bouffantes. Petit col comme ça. Fermeture bouton. Et légèrement. Et vas-y, de toute façon, toutes ces pièces. Donc ça, c'est les premières pièces, mais j'en ai d'autres à venir. Je les porterai. Je pense que ce sera plus parlant pour vous. Voilà pour les nouveautés. Et donc je vais, mais ouais, je sais, terminer ce vlog pour mieux vous retrouver. Bah bien sûr. Vous voyez la moumoute, il a cru que c'était une bête. En fait, il partait pour attraper sa truc. Bon, je vous dis donc à très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse. Merci à tous. Salut.